Bonjour, aujourd'hui la lecture du Nirupana numéro 8. Un entretien qui a eu lieu le jeudi 19 janvier 1978. Donc, ce sont donc les propos de Nisargadatta qui sont recueillis. La lecture et l'écoute sont toutes deux nécessaires. La connaissance reçue du gourou concorde parfaitement avec ce qui est lu et entendu. La voix juste fait dire « Je suis exactement tel que le gourou m'a décrit et tel que je l'ai lu et entendu. » Vraiment une écoute attentive, consciente et une écoute qui fait comme une sorte de va-et-vient entre vraiment voilà, cette écoute et l'expérience et une sorte d'activation de ce ressenti, une ouverture, une sensibilité à ce ressenti, de ce qui est évoqué, de ce qui est lu, de ce qui est entendu. Ce qui reste une fois rejeté, notre propre conscience est la vérité. Conscience d'être, conscience d'exister. Une fois que cela est rejeté, reste la vérité. L'union à Dieu est un yoga. C'est le sens du mot yoga d'ailleurs. Dans l'union, tous deux se dissolvent. Le témoin de cela est le soi suprême, état d'être non manifesté. C'est en cela aussi que l'on dit que celui qui commence la voie, le cheminement, ne le finit pas, non pas par échec, mais parce que voilà, il se dissout avant dans cette union. Le corps est prakriti. Et ce qui réside dans le corps est Purusha. Ce qui agit est Prakriti, tandis que Purusha est le témoin immobile. Les deux aspects de la conscience, une fois qu'il y a ce processus ou moyen de manifestation, comme on pourrait aussi dire Shiva Shakti, je mettrai en fin de cette petite vidéo un lien vers une vidéo qui parle plus spécialement de cela, qui évoque plus spécialement et qui développe une explication sur cela. Aussi, tant que vous vous prenez pour le corps, il n'y a pas de paix. Ces deux énergies sont sans forme. Prakriti et Purusha ne sont pas séparés. Et c'est le problème n'est pas la manifestation, le problème n'est pas... que cette conscience se manifeste, le problème se pose quand cette identité devient cristallisée et même en dehors du juste nécessaire du fonctionnement, quotidien, ce rôle a une telle force que, et est vécu avec une telle identification qu'il devient constant, en fait. Et là, crée vraiment ce sentiment de séparation. Aussi, tant que vous vous prenez pour le corps, il n'y a pas de paix. Gardez présent ce que vous avez entendu et restez dans un discernement constant. Celui qui a réalisé Prakriti et Purusha est libéré. Réaliser Prakriti et Purusha, ça veut dire vraiment voir voilà, cette nature de non-séparation, déjà, de ces deux aspects, comme Nisargadatta nous le dit, de voir ce qui est témoin, de voir ce qui est manifesté, et de sortir de cette limitation, de cette identification à un corps séparé. Dans le corps, Dieu fait l'expérience de lui-même, dans la sensation « je suis ». La parole du gourou est votre propre présence. Vous devriez en être convaincu. Qui parle? Qui s'exprime? La parole du gourou, c'est finalement cette conscience, c'est cette manifestation de la conscience non identifiée, c'est-à-dire de ce que nous sommes véritablement en tant que conscience, en tant que manifestation, en tant que cet aspect de prakriti. «
Abandonnez-vous au prana, laissez tomber l'identification au corps. Ce qui connaît le pouvoir du prana est le jnani. Le jnani n'est pas quelqu'un, c'est la conscience désidentifiée, on va dire, hein, par rapport au jiva, conscience identifiée, qui donne cette sensation et ce vécu à travers un individu totalement séparé, avec le jnani, hein, le sage, celui qui a réalisé sa véritable nature, mais en fait, il n'y a plus de sage, là, ça c'est de l'apparence extérieure, c'est la conscience qui se reconnaît elle-même dans toutes ses manifestations, dans toutes ses formes, et dans son aspect de témoin. Prakriti Purusha, cette union de Prakriti et Purusha. Fixée sur la source de l'énergie vitale, sa méditation est continue tout au long de la journée. Cette méditation est portée par cette énergie elle-même. La paix immuable est un grand accomplissement. Ça n'est pas finalement quelqu'un qui médite et encore moins qui médite sur quelque chose. C'est finalement, c'est cette reconnaissance, c'est ce retour sur cet aspect de conscience témoin. Le véritable repos survient quand Prakriti et Purusha sont toutes deux oubliées. Toutes deux oubliées par aussi là, cette union qui ne fait plus de distinction entre l'un et l'autre, entre cet aspect, on pourrait dire, qui était pédagogique, de voir que c'était cette même deux aspects différents de la même conscience, et qu'ensuite, par cette reconnaissance, une réunion, mais en fait une réunion, c'est-à-dire un arrêt de la division finalement. Par la méditation, la sensation « je suis ceci ou cela » disparaît. Pour permettre à cette méditation d'aboutir avec succès, consacrez-vous à elle. Tournez l'attention sur le soi avec toute l'énergie du prana. Quand cette énergie s'arrête, la conscience s'unit à elle et le samadhi s'ensuit. Le savoir livresque doit être confronté à notre propre expérience. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec une écoute. Évidemment, déjà une écoute, une ouverture à pouvoir entendre, et non pas un jugement constant de ce qui est dit, mais une écoute et qui va faire ce va-et-vient avec, L'écoute va permettre vraiment de laisser le message pénétrer et à ce message de nous indiquer véritablement la voie. Ça n'est jamais que la conscience qui parle à la conscience. Ça n'est jamais que le gourou, c'est la conscience qui parle à la conscience. Les paroles du gourou, c'est la conscience qui parle à la conscience. Quand nous sortons du sommeil profond, ce qui apparaît en premier est la conscience microscopique. C'est la sensation « je suis » avant tout mot. Cette graine de conscience est la racine de toutes les expériences. Instantanément, elle prend la taille de l'univers. Zardata aime jouer avec ces tailles, une graine de conscience et qui peut contenir un univers immense. Parce qu'en fait, ça n'est qu'un jeu. Quelle est la taille où se déroule votre rêve? Quelle est la taille du rêve? Est-ce que si vous dormez dans une petite chambre, vous allez faire des petits rêves et dans une grande chambre, des grands rêves? Non. Est-ce que vous dormez sous les étoiles ou que vous dormez dans une cave? Non, les personnages vont avoir la même taille. Eh bien là, c'est pareil, en fait. Quand apparaît cette conscience, quel que soit l'état, que ce soit ce qu'on appelle l'état de rêve, l'état de sommeil ou autre, quelle est la taille de ce qui apparaît en elle? Est-ce que cette conscience est petite ou grande? Mais vous devez voir l'irréalité de cette conscience. Le monde apparaît avec votre réveil.
L'expérience se poursuit avec celui qui expérimente. Saisissez la source de cette connaissance. Quand une opération est faite sous anesthésie, il n'y a pas de douleur. Si un être meurt dans cet état d'inconscience, y a-t-il une quelconque douleur de la mort? Qu'est-ce qui nous fait sentir? Qu'est-ce qui nous fait percevoir? Quelle est la nature de cette conscience? Alors que vous écoutez ces mots, vous vous oubliez et oubliez par là même le monde. Vous demeurez dans votre état d'être naturel. Le samadhi naturel. N'est-ce pas un grand profit? La dévotion au gourou vous offre la réalisation du soi. Ce retournement vers cette conscience pure et qui nous ramène à notre source, à notre avant-tout. Texte très court, qui n'en est pas moins intense, au contraire. L'invitation à vraiment revenir à cette véritable écoute qui demande une confiance, qui demande toujours à écouter aussi cette résonance en nous. Et qui n'est qu'un rappel à soi, à notre nature immuable. À ce que nous sommes déjà, nous n'avons jamais cessé d'être, indépendamment des oublis, des reconnaissances. Voilà, bien à vous.